Bonsoir à tous, de retour dans ce nouveau vlog de ma vie en P2. Du coup ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée à 6h pour aller faire du sport. Ensuite j'ai fait ma séance, j'ai fait une séance un peu plus courte que d'habitude puisque j'étais trop en retard. Genre vraiment j'ai traîné ce matin, petit déj, j'ai fait mon truc de ouf. Du coup j'étais en retard, j'ai fait une séance d'une heure. Ensuite je suis partie à la douche, j'ai fait ma skincare, je me suis préparée, j'ai pris ma douche, etc, etc. Je me suis posée les dents. Tout ça, et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon outfit, je me suis habillée, j'ai pris une tenue que j'avais vue sur TikTok et que je trouvais canon, je vous montrerai après. Et je me suis maquillée, voilà, je me maquille pas très souvent en ce moment, mais j'avais envie de recommencer à me maquiller, voilà, j'aime trop. Et là, je suis en train de préparer mes tupperwares pour aller à la BU, puisque je dois aller à la BU, j'ai envie de faire une journée vraiment full BU pour bien m'avancer, bien me concentrer, bien travailler, parce que j'ai du mal à travailler en ce moment. Et bah, le bloc, concrètement, c'est la mort. Le blog vraiment il me stresse de ouf, enfin déjà la néphro c'est pas une réussite, on est vraiment sur un truc plutôt moyen alors que bah, j'avais quand même un peu travaillé quand même le blog précédent, du coup là c'est encore pire, c'est un blog qui est encore pire que celui de la néphro, donc il va falloir bien bosser, du coup ça me stresse, en plus il est beaucoup plus court. Et voilà, bref, tout ça pour dire que je vais passer une journée à la BU complète, ça va être fun, vraiment. Une journée de joie et de bonheur. Mais bon, même si j'ai pas très envie de le faire, c'est bien, enfin il faut que, absolument que je me mette à plus travailler, plus faire le truc, et du coup je vous emmène avec moi pour vous motiver, voilà, et me motiver en même temps, on se motive ensemble, c'est génial, c'est fun, c'est passionnant. Et du coup je sais plus si je l'ai dit, mais là je suis en train de faire mes tupperwares parce que je me dis je vais emmener ma nourriture, voilà, j'ai des restes encore, donc je vais finir mes restes parce qu'après ils vont être périmés et c'est pénible. Vous montrez quand même que je me suis retenue de pas dire un gros mot encore dans ma phrase parce que vas-y je suis assez vulgaire dans ma vie de tous les jours, du coup voilà. On adore, hein, fun, top, mais vas-y on essaie d'avoir une bonne influence sur YouTube, hein. Puis on essaie de pas se faire striker du coup, parce que je sais pas si on peut se faire striker, je sais que tu sors TikTok, oui, donc faire gaffe. Bah voilà, tiens, super, un mot pas terrible non plus. Oh là là, ça va, c'est bon. Et on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir, donc hein, oui j'ai pas d'argument, et alors j'ai déjà le double menton, d'accord. C'est déjà beaucoup me demander d'avoir le double menton. Donc on peut pas tout faire. Bonsoir à tous, de retour dans la suite de ce vlog, je viens de rentrer de la BU, j'ai passé ma journée à la BU, je suis assez contente de voir parce qu'en vrai j'ai bien avancé, j'ai bien réussi à travailler. Et là je vais lire un peu, il est 19h je crois, 18h45 je ne sais pas. Et ouais je vais aller manger d'abord parce que j'ai trop faim et ensuite je vais aller lire parce que j'ai trop envie de lire mon livre. En rentrant je suis passée à la Fnac pour essayer de trouver des trucs, mais j'ai rien trouvé. Ensuite je suis passée dans une autre librairie et du coup en fait j'ai réalisé qu'il y avait un livre qui me plaisait et tout et que je pouvais prendre avec mon passe culture, parce que en gros sur mon passe culture il me reste genre 20 €. Sauf que ce qui me frustre beaucoup c'est que si j'achète 3 poches bah ça dépasse 20 €, du coup je peux pas les acheter. Et si j'achète un brochet il reste de l'argent, si j'achète un brochet et un poche bah pareil ça dépasse, c'est pas possible, voilà, si j'achète 2 poches il reste de l'argent, du coup ça m'énerve de ouf. Donc j'essaie de trouver depuis, ça fait genre des semaines vraiment, limite des mois que j'essaie de trouver la bonne solution pour réussir à ce qu'il reste le moins d'argent possible sur mon passe culture pour que je ne dépense le plus possible. Et là j'ai trouvé un livre qui coûte 18,90 €, du coup il resterait genre 2,32 €, parce que du coup oui, il reste pas tout à fait 20 €, il reste un peu plus. Et en vrai j'ai trop la haine contre moi d'avoir acheté des livres à 8,50 € la dernière fois, alors que littéralement j'aurais pu acheter des livres à 7,90 €, comme ça j'aurais pu juste finir mon passe culture parfaitement en achetant 3 livres, parce que là vraiment c'est juste histoire de 1 € ou 2 €, du coup ça me... pour acheter 3 poches, du coup ça m'énerve de ouf, mais bon c'est pas grave, je vais aller acheter un brochet que j'ai trouvé du coup, et voilà, sauf que en fait quand j'ai voulu retourner dans la librairie pour l'acheter, j'ai vu que sur le passe culture il était pas disponible et qu'il fallait aller dans une autre librairie qui est plus loin. J'avais trop la flemme de faire l'aller-retour, du coup je suis juste rentrée chez moi et je vais y aller à un autre moment.
Et voilà, c'est tout pour moi, pour mes histoires de livres, mais vraiment ma passion, les livres en fait. Ma passion, une obsession un petit peu pour les livres. Bref, je vais manger parce que j'ai faim. Ouais, sinon, du coup, en pneumo, j'ai fait 5 items, je crois. Ouais, 5 items. Et j'ai revu les items que j'avais déjà vus, donc je suis assez contente. J'avance bien. Vraiment, j'avance bien. Et voilà, je pense que je suis un peu en retard par rapport au planning de la fac, mais pas si en retard que ça. Donc, c'est très cool. Demain, je vais essayer de me refaire une journée full BU. Ce matin, du coup, j'ai fait du sport, donc demain, je n'ai pas à en faire. Du coup, je vais quand même essayer de me lever à 6h pour être devant mon bureau vers 6h30, 6h45. Ensuite, je bosse et je vais à la BU à l'ouverture. Et ensuite, je fais une journée BU, full BU, parce que j'ai rien foutu de la semaine. Du coup, enfin, rien foutu, j'abuse, mais j'ai pas de ouf travaillé cette semaine. Et j'aimerais bien être à jour dans le planning de la fac, si ce n'est un petit peu en avance, parce que j'aimerais beaucoup faire un voyage vers le milieu du bloc. Et je sais pas si je pourrais, je sais pas si j'aurai le temps. Et du coup, bah, je me dis, si je suis bien avancée dans mes cours, je pourrais me le permettre, alors que si je suis pas avancée dans mes cours, je pourrais pas me le permettre. Donc voilà, vaut mieux limite tryhard me rendre compte qu'en fait bah, je suis en avance sur mes cours mais que j'ai pas assez de temps pour faire un voyage et du coup tant pis être en avance, être plus relax à l'approche des partiels qu'être en panique, être en PLS, pas avoir le temps, etc. comme c'était le cas pour le bloc précédent. Donc voilà, on avance et c'est tout. Bon, update de ma vie, là j'ai mangé, j'ai posté un TikTok, j'ai monté la vidéo YouTube. Et je suis en train de préparer des trucs pour demain et je suis en train de regarder ma série. En finissant de manger, enfin même si j'ai fini de manger, mais genre je finis ma série parce que mon épisode était commencé. Et là, je vais aller me préparer, faire ma skincare, me brosser les dents, aller dans mon lit et lire pendant 1 heure avant d'aller me coucher à 22h.